Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton premier tunnel de vente en moins de 5 minutes sur l'Ornibox. Si tu connais pas l'Ornibox, je t'invite à voir la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je la mettrai juste en dessous et je te mets aussi un lien d'essai 30 jours l'Ornibox juste en dessous de la vidéo. Pour vous créer ton premier tunnel de vente, donc tu arrives sur l'Ornibox, tu cliques sur tunnel de vente, tu arrives ici. Comme j'expliquais dans la première vidéo, donc tu as tous les différents tunnels ici. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contenu gratuit. C'est-à-dire que je vais vouloir proposer un cadeau, un cadeau à télécharger en échange d'adresse email, de lead de mes prospects. Pour après, pour la suite, eh ben, leur apporter de la valeur, leur proposer du contenu. Et comme ça, je vais pouvoir. Eh ben, quand je vais proposer du contenu, eh ben, les gens ils vont pouvoir s'abonner à mes différents réseaux, ils vont pouvoir je vais pouvoir leur rediriger des liens d'affiliation, je vais pouvoir leur partager mes vidéos YouTube, je vais pouvoir, voilà. Et en fait, eh ben, avoir une base d'adresse email, ça va être vraiment le début de ton business. Donc, je crée mon tunnel, je clique sur créer mon tunnel. Et ici, bah, ça va être tout simple. On va voir là les différentes étapes. Et en fait, ça va être tout simple. Je vais être guidé par l'Ornibox. Donc, on me demande le nom. Donc moi, bah, ça va être mon e-book. Hop. Description du e-book. Et ben, dans cet e-book, vous allez pouvoir. Alors, moi, enfin, je vous allez pouvoir. Conseils pour tondre votre pelouse. Et forcément, c'est en lien avec le PDF que j'ai trouvé, le e-book. Donc là, on peut choisir si j'utilise ou pas l'Ornimail. L'Ornibox utilise l'Ornimail, c'est leur système de mailing qui est intégré. Donc moi, je mets oui. Comme ça, les personnes qui vont rentrer leur mail, eh ben, va être directement dans la même plateforme. Et donc après, je vais pouvoir gérer les mails et mes contacts directement d'ici. Ici, donc, je vais pouvoir choisir mon thème. Donc là, j'ai ma page de capture, ma page de confirmation, de contenu. Donc là, j'ai mes différents thèmes. Je vais avoir général, beauté, corporate. Donc en fait, c'est les mêmes thèmes, sauf qu'en fait, au fond, bah, il y a des photos, mais même ça encore, je vais pouvoir le changer. J'ai cours, marketing, photo, rencontre, bien-être, sport. Voilà, ici j'en ai même d'autres. Voilà, donc après, bon, ça là-dessus, je vais pas y rester 3 heures, je vais choisir le premier qui vient. Hop, allez, je prends immobilier, choisir le thème, hop, il se met là, je valide ce thème. Ça, je vais enlever mon ebook, lancer la création. Donc là, il fait les 2 pages. Hop, félicitations, votre tunnel a bien été créé. Et donc là, j'arrive sur mon tunnel. Donc là, mon ebook, apprenez à investir un peu sans stress. Donc là, il me met le nom que j'ai mis. Ce qu'il faut voir après, c'est que du coup, là, si je copie l'adresse qui m'a donné là, donc business pour tous l'Ornibox slash mon ebook. Si je le rentre dans mon navigateur, hop, j'arrive sur la page que le prospect ou que le client voit. Voilà, donc cette page, après, le but, ça va être de la modifier et d'entrer tout ce que le prospect va voir. Donc je clique sur modifier ma page. Ici, donc je vais marquer. Vite. Je n'arrive plus forcément. Hop. Voilà. Sans conseil pour entretenir pelouse. Découvrir. Moi, je fais un truc.
vraiment quelque chose de rapide pour, enfin voilà, pour que vous voyez que ça se fait rapidement. Il y a moyen d'avoir une page rapide. La photo de fond, on va la changer. Ici, donc je mets télécharger votre guide en immobilier. Voilà, je vais mettre. Voilà, je vais changer ça. Charger votre e-book pour recevoir vos 100 conseils. Je télécharge mon guide gratuit, ça au pire je le laisse. Ça, là, on peut enlever les sections. Hop, ça part. Sinon, on peut en rajouter d'autres. Ah, il y a tous des trucs, des FAQ, réassurance, action, des appels à l'action, confirmation. Enfin, là, on peut rajouter des trucs. Bon, moi, j'ai envie de faire quelque chose de simple, donc là, je le rêve. La photo de fond. Voilà, ici, je peux mettre ce que je veux, ou alors je peux en amener d'Internet. Bon, moi, je vais mettre quelque chose, voilà, j'enlève le fond, je mets. Non, j'ai pas sauvegardé. Couche dans le noir. Voilà, on peut régler un peu tout. Voilà. Donc sinon, voilà, sinon on peut ajouter des photos, on peut gérer des animations, on peut, voilà. Ici, si je clique, donc ouvrir dans un nouvel une nouvelle fenêtre. Ici, donc ça va sur un pop-up. Pop-up, donc il faudra que je peux le modifier. Voilà, parce que sinon le pop-up il est comme ça. Donc là je mets. Hop, recevez. Sans conseil pour avoir une belle pelouse. Hop, je valide. Tac, tac, tac. Ici, donc il faut bien avoir ça. Après, les RGPD, donc là, on est obligé, mais sinon, ça, on peut le raccourcir. Je peux mettre en indiquant votre mail, vous consentez à recevoir ce e-book. Champ obligatoire, comme ça, vous n'êtes pas ennuyé. Je m'inscris maintenant. OK, donc ça, c'est bon. Ça c'est bon pour le pop-up. Non, ce que j'ai pas fait, pardon, c'est j'irai voir après. Donc là déjà, ma page, bon, je suis d'accord, le style il est pas fou. Faut mettre une photo verte, un truc, bon ça on pourra. Pire, faut aller sur Internet ou sur Google ou sur Canva, prendre une photo de pelouse, on peut la coller derrière et faire quelque chose de mieux. Ici, soit on fait prévisualiser, pardon, je vais y arriver, soit on peut coller le lien comme tout à l'heure. Ici, si je, donc la personne arrive là-dessus, donc sans conseil pour entretenir sa pelouse, redécouvrir votre extérieur, télécharger votre e-book pour recevoir sans conseil. Ici, donc je clique, je télécharge mon guide gratuit. Hop, la personne arrive là-dessus. Recevez sans conseil pour avoir une belle pelouse. Nom, prénom, adresse email. Ici, là, je tape tout. Je fais hop, je m'inscris maintenant. Moi, du coup, ça, il faut une adresse email, mais ici, si je mets contact, hop, business pour tous. Ici, je mets mon prénom. Je m'inscris maintenant. Hop, ça part. Derrière, merci, pardon, pour votre inscription. Téléchargez le guide. Et voilà, donc ça, c'est la page d'après. Donc c'est là, il faudrait qu'on la change. Page de confirmation. Voilà, page de confirmation. Donc là, j'avais mis ma photo. Donc là, on peut l'enlever. Voilà, on l'enlève. Merci pour votre inscription. Et donc ici, le lien est disponible ci-dessous. Ici, soit on redirige vers un lien, donc si le PDF il est
il est, par exemple, je sais pas, sur Google Drive ou quoi, ben on peut renvoyer le lien ici, obtenir le lien de la page. Ou alors, ça, on met pas ici. Attends, je vous dirai pas. Ça, on met pas. Ici, on peut faire ajouter un tag. C'est-à-dire que la personne qui met, eh ben, on fait créer un tag, on la met avec pelouse ou ebook pelouse. Comme ça, dans l'email, on va le voir après dans l'email. Du coup, ça fait que les personnes les retrouvent. Bah, faut que ça reste cohérent. Du coup, ça faut modifier cet ebook. Bah, vous apprendre à gérer, à avoir une belle pelouse bien entretenue. Hop, un petit bout d'inscription et tout. Ça, moi, ça, donc soit on télécharge ici, ou alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais dans le pop-up. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, ici, il y a la liste d'emails. On va aller voir ici. Ici, en fait, il y a la liste d'emails. Voilà, dernier contact. Hop. Voilà, séquence. Et en fait, là, on fait une nouvelle séquence. Voir la séquence. Donc ça, c'est la séquence qui est faite automatiquement avec donc l'Ornibox. Qui est faite automatiquement avec ce tunnel. Pardon, je vais y arriver. Donc la séquence ici, après là, il faut la modifier. Donc je clique dessus. Bon, ça, je peux l'enlever encore. Moi, je l'avais laissé, mais bon. Et au pire, on peut le modifier. Voilà, donc on dit bonjour. Aujourd'hui, j'ai le cadeau de t'offrir nouvelles opportunités et tout. Télécharge le e-book. Hop, bon, ça, moi, je vais tout virer. Là, c'est leur message par défaut. Donc, dans le message, on peut mettre comme promis, je t'offre e-book pour avoir une très belle. Voici les 100 conseils. Voilà, et donc du coup derrière il faut. Derrière il faut lui joindre dans le fichier. Putain, je sais plus comment j'avais fait l'autre fois. Bon, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Excuse-moi, j'ai fait une petite pause, du coup je cherchais de mon côté. En fait, j'ai trouvé, pas de souci. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Bon, du coup, en fait, c'était juste en dessous. Là, je voyais pas avec ça, ça a changé. Il suffit de descendre. Donc là, bonjour, prénom. Donc, du coup, ça mettra le prénom que la personne a rentré dans le formulaire. Comme promis, voici ton e-book pour avoir une belle pelouse. Télécharge tes 100 conseils. Ici, on peut descendre. Et là, on met pièce jointe. On fait glisser. Hop, pièce jointe, elle arrive là. Là, il va me demander d'aller chercher la pièce jointe. Donc là, je vais aller la chercher sur mon ordi. Elle est sur le bureau. Normalement, je l'ai mis, sans conseil. Hop, elle est là. Il la télécharge. Et là, je la mets valider. Et donc là, il est là. Donc là, j'enregistre. Donc ceux-là, bon, ceux-là, je les enlèverai. Après, on peut paramétrer du coup des mails qui partent à J plus 1. Et après, plus un jour encore. Derrière le mail envoyé. Donc, c'est-à-dire que lui, il part à J plus 1, lui, il part à J plus 2. Et en fait, à chaque fois, le J, enfin, le plus, c'est au dernier mail envoyé. Donc, moi, je préfère faire ça, c'est-à-dire que dès l'inscription, le mail part. Donc, ici, pareil, ici, il faudrait changer le nom du mail. Ici, on met voici ton. Ebook. Hop, on enregistre.
Donc du coup, je reviens là. Donc ça, moi, du coup, ça j'enlève. Normalement, ça marche sans. Hop, je supprime. Je supprime. Ici, donc je vais juste dire vous allez recevoir votre e-book par mail d'ici quelques minutes. Les personnes prennent pas peur. Ça, maintenant que c'est fait, donc là, je mets deux pages. Ma page de capture, ma page d'inscription. Donc, hop, ça, je copie. Je vais sur ma page de capture. Sans conseil pour entretenir sa pelouse, redécouvrir votre extérieur. La personne, elle est intéressée. Elle veut recevoir ce e-book gratuitement. Et toi, de ton côté, bah, tu veux recevoir des leads. Donc, télécharger son e-book gratuitement. Ici, moi, je m'appelle Maxime. Ici, mon adresse mail, et ben, ça va être contact business pour tous. Là, normalement, si on ne met pas, ça nous dit, bah, on est obligé de cocher pour la RGPD. Donc, hop, on coche. Je m'inscris gratuitement. Merci pour votre inscription. Vous allez recevoir votre e-book par mail d'ici quelques minutes. Donc là, OK. Donc là, on attend. Je fais pause le temps de recevoir le e-book et je te dis à tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai reçu mon mail. Bon, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Tu vois, là, j'ai pris presque 10 minutes pour recevoir le mail. Donc, il ne faudra pas que tes prospects s'inquiètent si jamais ils prennent un petit peu de temps comme ça pour le recevoir. Parce que voilà, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Et des fois, ça peut tomber dans les spams. Donc, il faudra bien les rassurer comme ça ou marquer sur le site. Si tu le marques ici, vous allez recevoir le mail d'ici quelques minutes et pensez bien à vérifier vos spams parce qu'après les gens peuvent écrire en mode j'ai toujours pas reçu, comment ça se fait et tout. Et en fait, il est juste tombé dans les spams. Donc, voilà, là j'ai reçu mon mail de Business pour tous, donc de mon adresse, contact @businesspourtous.com, à donc moi, Maxime Jacques, l'adresse que j'avais mis. Bonjour, le texte, bonjour Maxime, comme promis, voici ton e-book pour avoir une belle pelouse, télécharge tes 100 conseils. Et donc là, ma pièce jointe, si je clique dessus. Soit je la télécharge, soit je fais voir. Et donc là, bon là le e-book est tout petit, mais du coup, dedans, bah, j'ai mon e-book avec les 100 conseils. Donc la tonte, l'arrosage, les avantages d'une tondeuse à rouleau. Et donc comme ça, bah, je peux envoyer comme ça mon e-book automatiquement et récupérer des leads gratuitement grâce à Learning Box. Donc voilà pour ce tunnel d'inscription et pour récupérer des leads. Voilà, et comme ça, là, bah, du coup, comme ça, je commence, j'ai des adresses. Il suffit que je diffuse mon tunnel. J'explique ça après dans ma formation. Après, je diffuse mon tunnel, je place bien, je récupère des leads, et après, derrière, eh ben, je peux envoyer eh ben, des liens d'affiliation et je peux gagner de l'argent facilement. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça te servira. N'oublie pas, juste en dessous, eh ben, je t'ai mis 30 jours d'essai à LearnyBox pour essayer ça gratuitement. Et j'espère que ça va te servir. Je te dis à bientôt. Ciao!